Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour un divorce par consentement mutuel, n'est-ce pas ? Oui. Votre fils Otto, de 17 ans, résiderait avec vous, monsieur ? Maman, je veux pas y aller, fais quelque chose pour moi, je t'en supplie. Toto. Et votre fille Anna, qui a 16 ans, résiderait avec vous, madame ? Otto, il est bien ici. Il est heureux. Je t'en voudrais toute ma vie de cette connerie, papa. Non, mais t'inquiète pas. Je vais rentrer bientôt, j'en suis sûr. Je viendrai te chercher, je veux pas qu'on soit éloignés, d'accord ? Un an, Anna. Un an. Promis, juré. N'oublie jamais que je t'aime. Hein ? Allez, allez, au revoir, ma puce, il faut qu'on y aille. Anna, je reviendrai ! Anna, tu me manques. J'ai besoin de toi. On n'a pas eu ses nouvelles pendant 5 ans, alors... Mais ouais, il est pas comme toi, il est pas comme nous, là. Le fric, le fric, le fric. Il y a pas que ça dans la vie, merde. Salut, c'est Gab. Salut, Lina. T'as vraiment pris l'accent canadien, hein. J'ai repris l'accent québécois juste pour te faire chier. Tu sais, Otto, maman, elle va pas bien du tout, là. Alors, tu vois, j'en ai rien à foutre. Maman peut s'en prendre qu'à elle-même. Il buvait, elle l'a quitté, point. C'est facile de regretter les gens quand ils sont morts. J'ai jamais réussi à dire à Otto que je l'aimais. Anna vient de m'appeler. Ma mère est morte. Otto, ça suffit, là. On arrête de se parler comme ça, s'il te plaît. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai vécu que pour moi. Je devrais retourner en France. Pour Anna ? Il faut que j'arrête de fuir.